Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de préparer un dessert classique, délicieux et léger qui pourra conclure un bon repas. On va faire une charlotte aux framboises. La première étape de notre recette serait de préparer un sirop. Je vais mettre le sucre dans une casserole sur le feu avec de l'eau et 2 cuillères à soupe de jus de citron. Je vais porter à ébullition et laisser bouillir pendant 15 minutes. Après, j'ajoute de l'agar-agar dilué dans un petit peu d'eau et je porte à ébullition à nouveau. Si vous utilisez de la gélatine, il faudra la faire amollir dans de l'eau froide, l'essorer, puis l'incorporer au sirop chaud. Versez ce sirop chaud sur les framboises surgelées, puis on va mixer le tout pour avoir une purée bien lisse. Je prends un moule à charnière et je vais tapisser les bords et le fond de biscuits à la cuillère. Je vais humidifier légèrement les biscuits avec un peu d'eau. J'ai ici la crème très froide à laquelle j'ai ajouté de la vanille et je vais la fouetter en chantilly. Une fois c'est fait, à l'aide d'une marise, vous incorporez délicatement la purée de framboise à la chantilly pour avoir une mousse. On va remplir le moule de la mousse à la framboise. Si vous avez plus de biscuits, vous pouvez alterner une couche de mousse, une couche de biscuits et après une couche de mousse. J'enveloppe le moule d'un film alimentaire et je le place au réfrigérateur. Je le laisse pendant 4 heures minimum ou jusqu'au lendemain de préférence. Juste avant de servir la charlotte, on décore avec des framboises fraîches. Quelques feuilles de menthe, on peut aussi saupoudrer un petit peu de sucre glace et on peut passer à la dégustation. J'espère que cette recette vous a plu, que vous allez l'essayer. Il me reste qu'à vous souhaiter un bon appétit.